Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait dans une tenue de soirée pour une vidéo motivation du dimanche? En fait, on a fait notre sapin, donc vous allez voir la vidéo avec les enfants, ils m'ont aidé, surtout Maddy et Noé. Et j'ai mis ma petite robe de Noël que je vais mettre du coup pour le réveillon. Je me suis dit que j'allais faire un petit réel et des photos pour Instagram. Si jamais vous ne me suivez pas, je vais vous mettre mon nom juste ici, je vous ai déjà tout posté. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je suis dans cette tenue, autant faire mon intro comme ça. Ça changera un petit peu, vous me voyez quasiment jamais comme ça sur YouTube, à part quand c'est la période des fêtes. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas un petit peu changer. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien cette robe, elle vient de chez Shein. Je vais essayer de me reculer en espérant que ça fasse bien le focus pour vous montrer comment elle est portée, et elle arrive jusqu'en bas par terre, elle traîne d'ailleurs, et on est obligé de mettre des talons, et même avec des talons ça traîne encore un petit peu, en sachant que je fais quand même 1m73, donc bon, elle est un petit peu grande, mais je pense que ça peut se raccourcir assez facilement avec un ourlet. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on va se retrouver pour une vidéo motivation du dimanche, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature. Donc on va se motiver avec un petit peu de ménage, de l'organisation, évidemment le sapin comme je vous ai dit, parce que bah, c'est une motivation du dimanche mais en période de Noël, donc on reste dans le thème Noël. Je pense que vous l'avez compris de toute façon avec ma tenue, donc voilà, on reste dans la motivation certes, mais avec des petites touches de Noël par-ci par-là. J'espère vraiment que cette vidéo va vous motiver au max. C'est parti. Comme je vous ai dit, on va se retrouver pour commencer à décorer le sapin. Donc on va l'allumer parce qu'il a des petites LED à l'intérieur. Et je vais sortir mes décorations, toujours les mêmes comme chaque année, qui sont rangées dans une boîte. Comme je vous l'avais déjà dit, je ne mets pas de guirlandes, j'ai horreur de ça, vraiment j'aime pas du tout ça. Du coup ça va être pour nous que des ornements, des boules, et je rajouterai par la suite des petits rubans. Donc les enfants vont m'aider. Au tout début, Aiden était déter, il voulait soi-disant le faire et finalement il a mis deux boules et après il a complètement arrêté. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again.
J'ai quand même essayé de motiver Aiden à mettre quelques ornements en passant par les camions de Noël, puisqu'il adore les camions. Mais c'est vrai qu'il avait du mal à ouvrir le fil et bien le mettre sur une branche de sapin. Donc voilà, il en a mis qu'un et puis après il est parti jouer. Et ensuite on a fait le reste avec les plus grands, comme je vous disais. Une fois que tous les ornements sont placés, je vais mettre le ruban. Alors en vrai, je pense qu'il est mieux de mettre le ruban avant et ensuite les ornements, mais là les enfants, en fait il était tard, on était en pleine semaine et je voulais absolument qu'ils fassent le sapin. Donc du coup j'ai dit bon tant pis, on va mettre les ornements tous ensemble et puis je rajouterai les rubans après. J'ai un petit peu de mal à les mettre, c'est vrai que c'est compliqué comme je voulais le faire. J'ai mis vraiment beaucoup de temps, mais bon, j'ai fini par avoir à peu près le résultat que je voulais. Et je finis en mettant un petit peu de neige sur mes branches pour donner un aspect un petit peu plus naturel. Oui, je suis dans la même tenue que mon intro, mais parce que bon, je l'ai filmé avant. Ne me dites pas qu'il n'est pas magnifique mon sapin. Je sais qu'il est très 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 chargé et que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais bon, j'aime trop, ça fait vraiment téléfilm de Noël. Regardez, si je me mets de loin, il y a un peu le bazar de mon bureau, on dirait vraiment les sapins des téléfilms. Mais vous savez même pas comme j'aime trop en fait. Je me dis c'est une période de l'année qui ne dure pas longtemps. Un mois pour celles qui vraiment mettent leur sapin en avance. Ça me fait peut-être bizarre comme ça. Je vous disais, ça dure à peu près un mois pour les personnes qui mettent leur sapin en avance un petit peu comme moi, ou un mois et demi à la rigueur, celles qui le mettent au 1er novembre juste après Halloween. Mais c'est vraiment une période de l'année, je trouve, féerique, magique et qui dure pas du tout longtemps. Donc autant y aller à fond. Mais vraiment à fond, profitez, je suis désolée, je bouge un peu, c'est lourd la caméra, mais je disais profitez à fond parce que ça dure trop peu de temps, en plus on a pas mal de choses à faire selon le travail que vous faites. Des fois les fêtes c'est le pire moment en fait, surtout celles qui sont dans la vente et tout, on travaille de fou, vraiment de fou, même nous avec les partenariats etc. C'est vraiment une période où je vais pas dire qu'on ne profite pas parce que c'est pas le cas, on profite, mais on a énormément de travail, c'est la pire entre guillemets période de l'année vis-à-vis du travail, on a toute la compta à faire de fin d'année et tout, enfin c'est une galère. Donc c'est vrai que profiter de ce genre de sapin, de déco qui certes c'est énorme mais c'est pas un truc qui reste toute l'année, donc c'est clair que si ça serait toute l'année ça serait beaucoup trop, on aurait mal au crâne. Et d'ailleurs c'est pour ça que je fais mon sapin 2 semaines avant Noël et pas avant, parce que je sais que sinon j'en pourrais plus. Mais vous voyez, c'est, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est magique, féerique, ça ne dure que quelques jours, semaines, donc autant profiter
au max du max. Et puis après, on l'enlève et puis on repart sur une nouvelle année et de nouveaux objectifs. On repart sur du clair, vous me connaissez maintenant depuis des années. Moi, après la déco de Noël, je fais la même déco que ce qu'il y a eu entre la déco d'automne et la déco de Noël, c'est-à-dire du blanc, du beige, du neutre. Je sais que je vous aimais trop quand je vous ai fait cette vidéo. L'unanimité des commentaires, c'était pour me dire « Oh, c'est trop beau en blanc, beige, sans rien et tout. » Je suis complètement d'accord, ça aère l'esprit et tout, c'est trop beau. Ça fait propre, frais, clair, etc. Mais c'est vrai que voilà, on a des périodes dans l'année où on aime quand même bien décorer, surtout quand on a des enfants en bas âge, vous savez même pas. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quand on a fait le sapin, il m'a dit j'ai envie de pleurer et tout. Je dis bah pourquoi? Il me dit parce que je suis content. Et vous voyez, ça c'est vraiment la magie de la déco. Après je dis pas n'allez pas mettre 10 000 euros dans une déco chez vous, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais juste voilà, le fait de décorer par saison, bah les enfants, surtout quand ils sont en bas âge, Noé par exemple, on en a rien à cirer, mais les enfants en bas âge, m'a dit Aiden, ils aiment beaucoup, ils comprennent à quel moment de l'année on est. Noël c'est la déco que tout le monde fait. Moi je sais que moi je suis dans l'extrême, je fais avec les autres saisons, mais Noël c'est ce que tout le monde fait pratiquement. Et les enfants aiment trop, comme les lutins, etc. C'est des trucs qui vraiment ça va rester marqué dans leur esprit, dans leur enfance. Et voilà, bref, c'était mon aparté pour vous dire que j'aimais trop mon sapin, qui est certes très chargé, mais j'aime beaucoup en fait. J'aime aussi la déco neutre. Et avant, j'étais dans une déco de Noël, je vous avais déjà dit, dorée, argentée, avec peu de déco, enfin peu, non. Peu de déco pour moi, mais c'est resté de la déco beaucoup pour certains, mais très neutre, il n'y avait pas de rouge, rien, c'était moins agressif que ce que je fais maintenant. Mais ça commence à me plaire en fait. Ça fait, comme je vous ai dit, vachement téléfilm de Noël, et pour les enfants surtout, ils aiment beaucoup. Donc voilà pour mon beau sapin qui est immense et qui est trop beau. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander d'où il vient de chez Balsamil. Donc voilà, je suis en tenue, il est 23h je crois, tout le monde est couché, donc je vais aller me doucher, enlever cette tenue, je vais rattacher mes cheveux parce que là je commence à avoir une grosse masse, j'ai chaud, donc je vais m'attacher les cheveux, je vais me laver, etc. Je vais partir me coucher et puis demain je continuerai à vous filmer la vidéo motivation. On se retrouve pour un petit peu de ménage, de rangement. Je vais aller dans la chambre des plus petits et je vais changer leur drap. Pour Noé, c'est lui qui change son drap tout seul. Donc là, je me suis occupée seulement de la chambre des petits. Et notre chambre, bah, Walid avait changé lui-même. Donc je vais rajouter les draps de Noël. Ça, c'est ceux que vous avez déjà vus lors de ma vidéo décoration de Noël. Et juste avant, il en avait d'autres. Donc j'ai deux paires de draps comme ça pour pouvoir les échanger. Ceux-là viennent de chez Gis, qui sont en mode polaire, donc ils tiennent bien chaud. Et ceux qu'ils avaient juste avant viennent de chez B&M. Every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. Come on in, come on up, come on over, for the merriest time of year. Come on up, come on in, get together, for a good time, smile my dear. Come on in, come on up, come on over, we'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like one, two, three. Join the dance parade.
Et là, je vais ranger la commode des enfants parce qu'on avait tout posé dessus. D'ailleurs, j'ai enlevé la guirlande de sapin pour la rajouter sur mon arche. Je voulais nettoyer le tapis, mais ce jour-là, je n'ai absolument pas eu le temps. Donc, je l'ai fait vraiment en vite fait et j'ai complètement zappé de filmer. Donc là, vous allez voir simplement le moment où je range donc tout ce qui traîne. Là, c'est les costumes pour Noël. Je leur remets directement dans leur commode. Et on se retrouve dans le salon, donc je vais préparer une petite boîte pour l'arrivée du Père Noël. Quand ça va être le jour de Noël, le 25, où on va pouvoir ouvrir tous les cadeaux. J'ai vu ça chez les Américaines, alors je voulais la customiser avec la Cricut, mais pareil, j'ai pas eu le temps, donc bon, j'ai lâché l'affaire, je me suis dit que juste la boîte, ça irait très bien. Donc ce que je vais faire dans cette boîte, je vais rajouter des tournevis pour pouvoir ouvrir les jouets. Plein de piles, dans tous les cas, ça nous servira quoi qu'il arrive, mais c'est surtout que voilà, à Noël, généralement, on a plein de cadeaux qui nécessitent des piles et bien évidemment ce n'est pas fourni avec le cadeau, donc c'est important d'en avoir. J'en ai pris des petites et des moyennes, j'ai plus en tête les noms, mais voilà, c'est les basiques qu'on trouve un petit peu de partout. Et si jamais il y a d'autres jouets qui nécessitent des piles un peu plus compliquées, je les achèterai le jour d'après. Et je vais également rajouter dans cette boîte des sacs poubelles, un petit marteau et un ciseau, pareil pour ouvrir et pouvoir faire tous les jeux et pour pouvoir jeter aussi le papier quand on aura terminé. On se retrouve pour un petit disclaimer. À partir de cette partie-là de la vidéo, je vous conseille de couper si jamais vous êtes avec vos enfants. Cette partie concerne uniquement les parents. Je vais vous mettre une petite musique d'alarme après si jamais vous avez laissé en fond, que vous êtes en train de faire autre chose, pour vraiment vous montrer que là, il ne faut absolument pas que les enfants restent sur cette vidéo. Coupez si jamais vous regardez avec eux. Donc on se retrouve le soir, je vous montre mon rangement pour les papiers cadeaux de Noël. Je le répète, si jamais vous regardez cette vidéo avec vos enfants, c'est le moment de couper. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout emballer. Donc je vous l'avais déjà montré dans mon haul de Noël, j'ai acheté plusieurs papiers cadeaux qui viennent de chez Action. J'aimais trop le fait que ce soit en craft avec les couleurs de Noël et ça brille aussi. Donc que ce soit le rouge, le doré ou le vert, ils sont vraiment brillants et scintillants. Et j'ai trop aimé avec le papier craft, je trouve que ça faisait trop beau. Donc je vais prendre mes papiers et puis je vais commencer à emballer un petit peu les jeux. Je m'avance, j'ai réussi à tout faire en deux nuits. À la base je vous avais fait tous mes conseils d'emballage sur Insta, donc j'essaierai de vous mettre mon petit Instagram là. Je me rappelle plus si je l'ai laissé en story permanente, il me semble que oui. Mais bref, j'avais dit qu'il fallait faire tout d'un coup parce que sinon vous n'allez pas avoir la motivation de tout faire. Sauf que celles qui me suivent, vous le savez, je me suis couchée à presque 5h du matin. Donc j'ai fini d'emballer tout ça à 4h. Le temps de me laver, de finir l'elfe, etc.
Je me suis couchée, c'était 4h45. Donc voilà, j'ai pas pu faire tout en une nuit, mais si je peux vous conseiller de le faire, faites-le. Et aussi, je vous l'avais dit sur Insta, à la base, je comptais le faire dans la journée, sauf que Noé, bon, c'est pas trop un souci, mais Maddy est tombé malade, il a eu la varicelle. Donc là, toute la dernière semaine, il était à la maison puisqu'il était malade. Donc mes plans sont tombés à l'eau concrètement, donc je n'ai pas eu le choix de le faire la nuit puisqu'il était là la journée. Vous allez pouvoir voir la technique que j'utilise pour les cadeaux carrés, c'est hyper simple, hein. Juste j'essaye de centrer le cadeau, je coupe si jamais il y a du surplus parce que généralement les cadeaux basiques ils sont toujours trop petits, ça fait trop de surplus. Je vais coller un bord puis l'autre et je vais rabattre sur les côtés. Pour chaque cadeau je vais rajouter du ruban et faire un nœud et ensuite je vais rajouter une petite étoile. Sur celui-ci, j'ai coupé les bouts du nœud et j'ai essayé de faire des petits triangles. J'ai commencé à faire ça sur quasi tous les cadeaux et puis après, vers la moitié, j'ai arrêté parce que c'était beaucoup trop long. Et je vais aussi mettre une petite étiquette pour dire pour qui est tel ou tel cadeau pour pas que les enfants se mélangent. Et surtout, il y a des cadeaux qui vont être mélangés autant pour Maddy que pour Aiden. Donc c'est important de pouvoir noter tous les cadeaux. Mais voilà ce que ça donne. Avec ce ruban, je le trouve magnifique. Les petites étiquettes viennent de chez Action, mais de l'année dernière. Mais je crois qu'on peut toujours les retrouver et je trouve qu'elles sont trop jolies. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me.
difference this time? Is it ever since July? I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I longed for this moment to have you for myself. In a cabin out of nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow voilà où j'en étais au bout d'une heure, j'avais pas bien avancé, et ensuite au bout de deux heures, pareil, j'ai pas avancé forcément hyper vite. Et donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout qu'elle vous aura motivé pour le dimanche, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on va mettre des emojis, étoiles, des cœurs rouges et on va mettre des flammes aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un like, à vous abonner, comme je vous le dis à chaque fois, vous êtes plus de 50% à regarder toutes mes vidéos, mais ne pas vous abonner, donc ça ferait vraiment super plaisir. Je sais qu'il y en a qui regardent par la télé, mais si jamais vous avez un petit moment, allez sur vos téléphones ou sur vos ordi pour juste cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien, et juste moi ça m'aide à me référencer dans YouTube avec le millier, même le million je pense, de youtubeurs que l'on a, que ce soit en France ou même dans le monde. Ça aide franchement d'avoir des abonnés pour pouvoir pousser les vidéos et surtout me motiver à en faire encore plus, même si je pense que j'en fais quand même pas mal et que je suis toujours aussi régulière depuis 3 ans. Bref, j'arrête de vous embêter, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve pour la prochaine vidéo, mais en attendant, je vous fais plein de bisous.